Je sais pas si vous avez été sur Instagram ou Twitter, mais il semblerait que le compte des Sims a publié un truc. Un truc où apparemment, il paraît que je suis dedans. Déjà, je n'ai pas encore vu la chose qu'ils ont publiée, parce que moi, depuis 17h, je suis absolument pas allée sur mes réseaux sociaux. On en parle un petit peu, que je vous raconte peut-être. Après, il n'y a pas grand-chose à raconter, en vrai, puisque je vais pas vous dire ce que j'ai vu, parce que vous le saurez demain. Voilà. Moi, je sais ce que j'ai vu, je sais ce que c'est, mais je peux pas en parler. Reprenons depuis le début. J'ai reçu un mail via le programme de Game Changer, où on me disait, vous êtes invité à une opportunité. Donc, je me dis, ouais, ça doit être pour une sortie. Il y avait déjà Riyad qui était sorti, si je dis pas de conneries, ou un truc dans le genre. Enfin bon, c'était pile à ce moment-là, à peu près. Donc, je regarde le mail, et là, je fais, réaction, EP, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je lis bien, parce que heureusement que je comprends l'anglais, et l'anglais quand même, hein, je ne suis pas bilingue, mais quand même, Natacha, voyons. Donc je lis ce mail, et je vois qu'en gros, je suis invitée à une opportunité qui, et c'est bien mis en énorme partout, qu'il faut pas que j'en parle aux autres Game Changer. Alors je me dis, bah, pourquoi? J'ai pas à mesurer l'ampleur du truc. En gros, c'est une invitation pour juste faire une vidéo où on s'enregistre en full screen pendant que l'équipe des Sims, via Zoom ou je sais plus où, les trucs dans ce genre-là, là, diffuse le trailer de l'expansion pack, donc de l'extension, et que nous, on doit juste se filmer, réagir, et puis basta. J'ai fait, oh putain, s'ils font ça, c'est que c'est quelque chose qui potentiellement peut être énorme. Je vois ça, et moi, je réagis pas encore trop hein, au délire. Je dis, oh bah carrément et tout, bien sûr que je vais participer. Enfin, je veux dire, ouais, carrément, ça me branche vachement, quoi. Donc, je m'inscris au truc et tout. Quelques jours après, j'ai le CM des Sims qui me MP sur Twitter. Il me dit, bon, si t'as des questions et tout, hésite pas, machin et tout. Je fais, ok, je dis, ouais, donc je demande juste pour être sûr que j'ai bien compris. Et je fais, oui, ils veulent juste une vidéo en full screen, réagir en regardant comme moi je fais d'habitude. Donc il me dit, ouais, c'est ça et tout. Donc il me confirme que je peux parler en français, qu'il n'y a aucun problème, que je peux même faire du ch'ti, donc j'étais mort de rire. Je lui dis, mais en fait, ils nous disent de pas en parler aux autres Game Changers, je sais pourquoi en fait. C'est quoi le truc? Il fait, parce qu'il y a très peu de monde qui a été invité et vous êtes que deux FR. Et là, je fais, avant ce moment-là, j'ai fait, ah ouais, là, on est que deux FR, que genre moi, le petit caca, là, le petit caca de YouTube, là. Pourquoi c'est pas les 100 000, les 200 000 abonnés? Et moi, le petit caca, je, j'ai pas compris. Puis je fais, mais c'est qui a choisi, c'est toi qui as choisi, là? Il fait, oui, c'est moi qui ai choisi tout. Je fais, bah merci, c'est gentil. Donc après, moi, si j'avais des questions, je pouvais aller lui demander directement. Viens le jour de ce filmage, de ce rendez-vous, hein, j'étais hyper stressée parce que en vrai je savais pas si j'allais être vraiment naturelle ou pas, parce que je savais que j'allais me full screen. Alors c'était horrible parce que je me voyais sur l'écran à côté en énorme, d'habitude c'est pas autant. J'ai fait le ménage derrière, j'ai dit putain mais ça faut pas que ça soit et tout. J'étais stressée, je me suis remaquillée, je me suis habillée, j'ai fait tout un merdier. Il vient l'heure et tout, je fais vas-y, faut que je me connecte et tout, je fais my god. Et là, je me rends vraiment compte qu'on était, mais tellement peu. On était tellement peu. Et là, j'ai fait, oh. J'ai mais qu'est-ce qui se. Mais pourquoi? Mais pourquoi moi? Mais pourquoi moi? Je comprends pas pourquoi il m'a choisi moi. Il aurait pu prendre 10 000 meufs FR beaucoup mieux que tout le monde connaît, hein. Ça aurait été, hein. Pourquoi moi? J'ai pas compris. Donc ils nous diffusent le fameux trailer qui est normalement... ce qu'ils nous ont dit, c'est que le trailer, il était quasiment abouti, donc c'est logiquement quasiment le même que vous verrez demain. Au début, j'étais méga stressée, parce que je savais que la caméra tournait. J'étais là, putain, mais je vais pas réussir à être naturelle, c'est pas possible. En même temps, je le suis quand je regarde tranquillou chez moi et que je me filme pour vous, donc je me dis, allez, vas-y, détends-toi le gland, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf que là, c'est... bon... Frost et l'équipe d'Electronic Arts qui vont voir ta gueule et potentiellement le reste du monde. Ah, tu la sens le stress ou pas? Bon, bref. Donc, je suis là au début, je suis là. Sorry. Bien. Puis le trailer se passe. Et là j'oublie presque à un moment donné que je suis en train de me filmer tout. Et je suis en train de. Parce que c'est un peu ce qui s'est passé dans ma tête, quoi. Je sais pas ce qu'ils ont gardé, hein. Comme je vous dis, je ne sais pas quel passage ils ont mis. Mais j'ai fini en larmes.
petite larme. Larme Michel, parce que je me suis retenue, j'ai dit, oublie pas, connasse, que t'as LA et tout le bordel et qu'ils vont te voir, donc fais pas... Voilà. Bref, j'étais là... Quand ils ont coupé le trailer, ils ont fait « Alors, vous en pensez quoi ?» et tout. Bah, tout le monde était méga emballé. Moi, j'étais là... J'en ai marre de chialer pour les Sims. C'est quoi cette pauvre meuf, sérieux? C'est quoi cette meuf qui chiale pour R, sérieux? Pour un lit, pour un trailer, bref, machin. Et puis donc, ça a discuté un petit peu pour les impressions et tout. Sachant que moi, j'ai pas osé trop parler, j'avoue, j'étais impressionnée. Hein. Bon, il y avait Lil Simsy quand même, tu vois, bon. Il y avait pas James Turner. Mais il y avait Lil Simsy, et puis il y avait moi, le petit caca. Petit caca FR, qui sert à rien. Et puis après, ils ont dit, ouais, ça vous dit qu'on vous le repasse? Et tout le monde, ah oui! Et du coup, on se l'est vu une deuxième fois. Et puis après, bah, tout le monde s'est déconnecté, s'est dit au revoir et tout machin. Il a fallu que j'envoie ma vidéo. Moi, j'ai commencé à la regarder, j'ai fait, ah tiens, Frost, prends la vidéo. J'ai dit, ouais, j'espère que bon, vu la qualité de ma caméra, c'est pas top et tout. Il m'a dit, non, ça a l'air bien et tout machin. J'ai dit, bon, bah maintenant c'est dans leurs mains, je veux plus en entendre parler quoi. On va aller voir ça. C'est parti. Attention. Réaction au teaser réaction. Oh, je suis dedans. Je vais me réagir à moi-même. C'est du Charlieception, attention, ça. Ça n'arrive qu'une seule fois dans sa vie. Et c'est maintenant. Et vous pourrez dire, j'y étais. Attention. Oh my god. Do I hurt anything? Hey. Oh. Wow. Yeah. Oh, please. Yeah. Oh my god, look at that hair! Wait a minute, pause! Oh my god, fine. Wait, is that... Wait, hang on. I'm sorry. Are we kidding? I was not expecting that at all. Do I hurt anything? J'aurais dû parler anglais, les enfants, j'aurais dû parler anglais. Ils ont pas compris ce que j'ai dit. Oh. Wow. Yeah. Oh, please. Yeah. Oh my god, look at that hair. Wait a minute, pause. Oh my god, fine. Ah, wait, is that... Non, je suis pas trop chou. C'est ridicule. Oh, l'enfer. Oui, bah, c'est vrai qu'on voit très très peu. On voit que Lil Simsy, en fait. Ouais, ouais, regardez, on la voit pas là. Donc c'est normal qu'ils l'ont mis en... Enfin voilà, tout ça pour ça. Cette vieille tronche. Bon, et ben maintenant que vous savez tout sur cette petite aventure du teaser, c'est parti, on peut donc mater le trailer en détail. Évidemment. Croyez-moi qu'à ce moment-là, j'étais déjà dans tous mes états. En plus, on peut se baigner. Agnès, la dentelle, is back! Avec ses coups de sac. Beaucoup d'éléments de construction. Des petits lapins. Trop mignon. Et des nouvelles choses à... Bah forcément, je l'ai déjà vu, les enfants, donc je réagis pas de la même manière que d'habitude. Mais c'est toujours aussi cool, putain. Je suis trop en kiff, je suis trop contente, moi. Bon, il y en a qui sont déjà en train de râler, mais moi, je suis très contente. Et le lama qui crache sur le renard, c'est extra. Et donc, on va pouvoir cultiver des citrouilles. Et ouais, il y a des vaches, des lapins, des poussins, des coques, tout ça. Oh, j'avais pas vu la petite fenêtre. Mon dieu. Oh là là, il y a trop de choses. Les enfants qui cuisinent également. Les petits lapins de compagnie. Oh là là, c'est vraiment cute. C'est vraiment mignon, quoi. Le concours de fruits et de légumes. Lui, il est en vert. Elle a une aubergine, elle est en violette. Lui, il a une carotte, il est tout orange. Et le plus normal avec sa méga citrouille. J'ai eu peur quand même que ce soit Disney avec la meuf qui chantait avec les oiseaux. Je vous dis direct, j'ai eu très peur. Parce que je suis pas très fan de Disney.
Et ce petit lapin avec son terrier, tout ça, ça fait très Alice au Pays des Merveilles. On ne sait pas, peut-être qu'il y aura un petit tombeau caché dans la map. Faudra attendre pour voir, c'est ça. Il est vraiment trop mignon, ce petit lapinou. Et donc, ça sortira le 22 juillet. C'est très très loin. Mais au moins, on aura le temps de savoir ce que je vais vous préparer pour qu'on découvre ensemble ce nouvel extension. C'est parti maintenant pour décortiquer chaque petite chose sympathique. Premièrement, donc, nous avons une jeune fille qui chante. Alors, nous avons un arbre avec un trou. Peut-être que c'est un petit objet un peu magique. C'est peut-être de là d'où viennent les oiseaux. Peut-être pas. Peut-être qu'il y a un autre animal dedans. Sinon, la demoiselle, eh ben, elle chante. On croirait vraiment du Disney, hein, avec des petits oiseaux qui sont bien foutus en plus. Elle a une nouvelle coupe de cheveux, boucle d'oreilles sont nouvelles également, un bracelet, une jolie petite robe avec des petits motifs boutonnés. Et là, alors que c'est tout beau, tout féerique, hein, le caca d'oiseau, ça casse tout. Le petit lapin-pin, trop mignon avec son petit pull. En tout cas, il est très très choupi. Je ne sais pas si on pourra l'avoir en animal de compagnie ou pas. Ici, on voit qu'il y a ce qu'elle a des collants et une nouvelle paire de chaussures. Derrière ma tête, ici, vous aviez une souche d'arbre avec un trou, c'est le terrier du petit lapin. D'ailleurs, je viens de voir que, effectivement, c'est bien l'endroit où il y aura les petits oiseaux de ce tronc d'arbre. Ici, le petit lapin nous emmène dans le nouveau monde qui s'appelle Enford on Bagley. C'est un petit peu bizarre comme nom. En tout cas, c'est très très vert. Ça fait très, bah, c'est la campagne, c'est très cottage anglais et écossais, j'ai envie de dire. Moi, je suis à fond. J'aime énormément et j'ai très très hâte. Surtout que je me dis que bah, le Lord and Lady va pouvoir avoir une nouvelle génération. Ouais. Bon, je la ferai en bonus aussi celle-là. Sur cette image, nous avons ce jeune homme qui a une nouvelle coupe de cheveux un peu très décoiffée, un nouveau haut avec un nouveau pantalon qui est retroussé et qui rentre dans des bottes. Donc c'est peut-être un one size, hein, du coup. Nous avons des petits lapinous trop mignons qui mangent ou qu'il y en a un qui est habillé mais pas les autres, peut-être des sauvages et que lui est apprivoisé. Nous avons une magnifique maison derrière avec une texture de toit hallucinante en chaume bien épaisse avec des arrondis dans les petites fenêtres comme ça et les arrondis, ces décorations au-dessus du toit. J'adore. J'adore beaucoup, beaucoup. On voit déjà une porte ici, une lumière, une fenêtre. Ça, ces décorations, je crois qu'on en a déjà des similaires. Mais je crois que celle-ci est nouvelle. Et nous avons des roues ici. Je pense que c'est des roues, pas de tracteur, mais vous savez, de vieilles calèches ou un truc comme ça. Et on voit un peu mieux, un peu plus près. Ah, nous avons des petites décorations de toit avec un coq, un lapin et un renard. Ce qui me plaît dans cette image, c'est de voir que l'on pourra peut-être enfin se baigner dans les petits lacs qu'il y a dans les habitations autour. Je croise énormément les doigts là-dessus, puisque, ok, on peut se baigner à Sulani, mais on peut pas se baigner à Windenburg, par exemple. Ici, beaucoup de choses. Nous sommes dans un petit quartier central, je pense, du village, où on a un nouveau puits avec une petite sculpture au-dessus. Il est très joli, hein, il n'est pas utilisable. Par contre, c'est quoi ces trucs jaunes, là? C'est des poussins, des oiseaux, des... Voilà, avec des fleurs à l'intérieur et tout ça. Et nous avons quand même pas mal d'objets nouveaux. En tout cas pour le CAS, nous avons cette chemise ici qui fait penser à la chemise dans la jungle. Un pantalon, nous avons Agnès la dentelle. Et oui, figure emblématique des Sims 2 si je dis pas de bêtises. Qui est de retour et qui donne des coups de sac à main. Donc j'espère qu'on pourra tester ça et voir ce que ça donne. Et nous avons des étals ici de fleurs avec une dame qui les vend. Nous avons un petit toit avec des champignons, c'est très très mignon. Une devanture de magasin, je sais pas si ça ce sera peut-être juste une décoration. Je pense que oui, ce sera une place avec de la décoration, mais c'est très pittoresque, j'aime beaucoup. Agnès la dentelle est magnifique avec son petit bibi, avec sa petite perle. Ses petites perles aux oreilles, son collier qui fait limite des picots. Fait peur un peu. Et son joli chandail. Alors, elle est pas contente. Et attention, le coup de sac va fuser. Bah, avec cette magnifique image où on peut voir énormément de choses, ces décorations de toit, encore un, hein, de pointe de toit, c'est juste magnifique. Une nouvelle cheminée, des sculptures, des nouvelles fenêtres avec des toits arrondis. Elles sont très très cute.
un petit toit de chaume également en guise de, je sais pas comment ça s'appelle, nouvelle fenêtre avec des volets, nouvelle porte, nouvelle clôture, nouveau petit chariot, nouvelle clôture également. Nous avons aussi, donc on a bien vu, des nouveaux légumes à cultiver. Ensuite, nous avons tout cet endroit-là qui est très très plaisant à voir puisque nous avons un box avec des lamas, une petite, je sais pas comment ça s'appelle pour les vaches, enfin voilà, avec des vaches. Et nous avons également, eh bien, des poules et des poulets et des petits poussins. Et chose très intéressante puisque vous voyez des deux côtés de moi-même et de l'image, on va pouvoir enfin avoir de l'eau. Les outils de terrain, quand on va creuser, on pourra mettre de l'eau, je pense en tout cas, c'est très très certain, puisque vous voyez bien que c'est pas une piscine et que ça a été creusé au fur et à mesure. Donc c'est exactement ce qu'on avait comme possibilité dans les Sims 3, et c'est le cas maintenant, ou bientôt, en tout cas je pense que ce sera dans une mise à jour qui précède l'extension, comme d'habitude, vous savez, on a une mise à jour gratuite qui nous apporte beaucoup de choses en préparation d'une nouveauté. Alors, une petite fille, cette coupe de cheveux, on la connaît déjà, elle a un petit haut avec un pantalon fleuri, le petit haut avec des champis, c'est très mignon. On voit beaucoup mieux les fenêtres, on voit les jardinières qui sont très belles. J'aime bien avec les petites décorations comme ça. Et on voit mieux un peu la charrette, il y a ici un tonneau. Et on voit une nouvelle tenue ainsi qu'une nouvelle coupe de cheveux pour monsieur. Joli portrait de famille avec maman, une nouvelle coupe de cheveux avec un foulard sur la tête. C'est très bien ça, pour vraiment c'est RP avec la campagne. Une robe un peu salopette à manches longues avec quelques broderies par-ci par-là. Une nouvelle paire de bottes. Et pour l'adolescente, une très jolie coiffure. J'aime beaucoup avec la petite frange comme ça, un petit carré frange. Avec une très sympa la combi, j'aime bien. J'ai hâte de voir les autres coloris. Et on voit encore mieux la clôture avec la porte et la petite couronne avec la pomme de pin. Et nous avons une espèce de vigne, une plante à mettre sur le mur. Ça, c'est ma vie, ça. Ça, j'ai trop hâte. Et ici, un petit panneau de bienvenue avec un petit lapin pin et un petit tonneau avec des tournesols. Nous avons donc des nouveaux légumes à cultiver. Et d'ailleurs, remarquez que ce sol est un peu vallonné. Je sais pas, je me pose la question. En tout cas, on voit très bien la clôture en mur, en brique. Elle est très sympa. Un petit tabouret avec un pot de fleurs et une lampe. La surprise quand même, c'est d'avoir des lamas. Bien sûr, les lamas, c'est un peu l'animal emblématique des Sims depuis très longtemps. Puisqu'on en voit partout. Donc je pense que ça, ce sera le box du lama et qu'il faudra acheter ça pour pouvoir avoir un lama à l'intérieur. Pour l'instant, on ne sait pas s'il n'y en aura qu'un ou deux ou 40 et si le lama peut vraiment aller très très loin. En tout cas, il peut en sortir. C'est pas quelque chose qui est bloqué dans son box. Ça, c'est cool. On a également ici encore les petits lapins qui se baladent. Ils ont l'air d'être sauvages. Une belle auge avec du foin. Et madame, elle est en train de tondre son lama. Non, elle ne tond pas les moutons, elle tond le lama. Et là, il est visiblement pas content, le lama. Qu'est-ce qu'ils font, les lamas, quand ils sont pas contents? Bon, en l'occurrence, là, il lui arrache la tondeuse, mais en général, il crache. Hein. Ici, on a un tout petit bambinou très mignon, avec une jolie nouvelle tenue et une nouvelle coiffure, qui attrape un petit poussin. Et on voit très très bien le poulailler, ici, avec les poules à l'intérieur. Nous avons, bon, on dirait une statue, hein, ce coq là, monsieur coq chapeauté. Et madame poule avec un joli petit pull. C'est très bien, en tout cas, pareil, je suis très contente que les animaux ne soient pas empaquetés dans un objet et n'en sortent pas. Là, en l'occurrence, on les sort et on peut les manipuler. Nouvelle activité, la broderie. Je me souviens que c'était quelque chose qui était possible d'avoir, vous savez, avec les kits communautaire, on avait voté en masse, en tout cas les gens avaient voté en masse et on s'est retrouvé avec le tricot. Et sachez que la broderie était normalement prévue peut-être dans ce kit. Maintenant on l'aura avec comme activité à la campagne. Vous voyez que là il y a la broderie d'un coq, il y a aussi une broderie de lapin, il y a un petit serre-livre lapin, une très belle commode, un nouveau cadre, un nouveau papier peint très fleuri, c'est sympa. Apparemment un nouveau fauteuil, je pense des nouveaux meubles derrière. Là on voit un peu mieux, effectivement c'est une horloge que nous avons là. Ah, je pensais que c'était juste une étagère, c'est une horloge plate. C'est génial, on n'en a jamais des horloges. Ça, ça fait très longtemps, c'est vraiment très cool. On a un très beau panier ici avec un petit plaid qui dépasse et des coussins. Ici, on a un carton, carton nécessaire à broderie, j'ai envie de dire. C'est exactement la même chose que pour faire le tricot, mais en version broderie. Le petit bambin avec le lapin, un nouveau tapis avec des roses, une très très belle cheminée.
et la toile que l'on voit ici, où c'est un peu plus cottage. Et ça, ça me plaît beaucoup parce que les tableaux, je trouve qu'on en manque énormément. Un petit renard, vous savez que les renards sont normalement déjà dispo avec chien et chat. Pour la version chat, eh bien le renard est considéré comme un chat, je veux dire. Donc je ne sais pas trop si là on aura des vrais renards ou si c'est une menace qui pourrait venir bouffer nos poulets. Ce serait possible. Ce serait un peu comme le voleur qui vient voler les Sims. Et là, le renard, il veut pas chipper le poulet, mais plutôt le lapin. Sauf que Monsieur le Lama veille, et Monsieur le Lama défend son copain en lui crachant dessus. Petit gameplay où on voit vraiment que l'œuf est jouable, et en plus de ça, on peut récolter des petits poussins. Nous avons des vaches également, et on pourra traire ces vaches. C'est bien. Vous savez que j'ai testé il y a quelques temps un mode vache, on pouvait déjà les traire et tout. Donc c'est hyper cool. Donc moi, je suis ravie. Nous avons ici une très belle scène, puisque c'est tout le monde est au fourneau. Même la petite fille est en train de faire de la cuisine. Nous avons des très jolis pots de décoration. Un pot de confiture. Ah, donc on pourra faire de la confiture, je pense. C'est très cool. On a un panier à pique-nique. Nous avons une magnifique fenêtre avec un renard ronde. Ah, elles sont trop trop belles. Une très très belle étagère avec quelques pots de confiture, un pot de fleurs, un magnifique, vraiment très très beau papier peint. Des nouveaux éléments de cuisine. Nous avons une théière, un faitout, une nouvelle gazinière, un petit lapin avec une fleur, des très beaux éléments de hauteur, des pots, des plantes, un pot avec un coq, une poule, j'en sais rien, un seau, il y a plein de choses, et surtout un nouveau frigo qui fait très penser au frigo de la marque Smeg, mais là c'est plutôt la marque personnelle. Et ici vous avez une nouvelle table avec une petite nappe adorable, une bouteille de lait et des nouvelles chaises. Encore une très jolie scène puisque là on est dans leur jardin et tout simplement regardez-moi ce paysage derrière, déjà on voit une nouvelle arche avec des fleurs, la clôture et regardez-moi ce ciel rose là comme ça. C'est beaucoup trop joli. Et on retourne au village, au cœur du village, où on voit des étals comme on a vu tout à l'heure, le puits, beaucoup de gens qui viennent se balader. Ici, ils sont au resto. Et oui, les restos ont rouvert, hein, il faut en profiter. Ils sont en terrasse en plus, donc c'est très bien comme ça. Un resto, une auberge ou bien avec un petit gnome. Nous avons un panneau avec tonneau de bière. Oh, les coquins. Des très belles fenêtres. Toutes nouvelles qui me paraissent super basses quand même, cette fois elles sont très très basses. Une très belle porte avec une tête de renard, on avait déjà la porte avec la tête de lion, donc je suis ravie. Deux panneaux, et puis nous avons donc un béret qui va arriver avec ce pull, une nouvelle coupe de cheveux qui est un peu rasée sur les côtés avec des dreads, très sympa. Et pour madame, une tenue somme toute un peu passée de mode quand même, hein, avec le petit col Claudine cranté là, et le petit nœud et le petit gilet. Ici, nous avons donc un étal de rue où on vend nos légumes et regardez-moi cette jolie tenue. J'aime beaucoup ce haut, j'aime beaucoup le short, puis des chaussettes hautes, des nouvelles chaussures avec, regardez, un magasin où on peut acheter des légumes. Alors, je sais pas si on pourra vraiment acheter des légumes, faire ses courses. Et au cœur du village, nous avons cette petite place où il y a un concours organisé. Du plus beau légume je pense. Ce qui me fait rire c'est voilà, lui il a sa grosse pastèque là ou je sais pas quoi, et il est habillé en vert et puis il est assez rondelet. Nous avons madame qui a une très très belle aubergine violette forcément, et elle est habillée en violet. Et de par là on peut voir également une nouvelle coiffure, des nouvelles boucles d'oreilles lama si je vois bien, un petit haut avec un plumetis, et c'est plutôt une robe j'ai envie de dire, oui c'est une robe en fait, c'est avec un plumetis. Et lui ben écoutez, il a une carotte donc il est tout orange avec les cheveux verts, c'est logique c'est une carotte. Et il a un magnifique pull tricoté avec des petits renards dessus. Madame est très impressionnée avec son petit ensemble pied de poule, avec son très très beau chapeau et une énorme fleur magnifique, avec sûrement aussi une nouvelle coiffure. On retourne avec la demoiselle de Disney. Elle est toujours en train de chanter, celle-ci. Et nous avons un coq. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le coq, pas content. Eh ben, il la bouffe. En tout cas, elle a une... On voit bien sa coupe de cheveux, j'ai envie de dire, avec les petites mèches devant et la tresse. Elle est très jolie, cette coupe de cheveux. Le petit lapin, il en a marre. Et il retourne dans sa tanière. Allez, ciao, mon petit lapin. Ici, on a une très très belle vue sur le monde, avec une très très grosse cascade
incroyable. Ici, une habitation, apparemment d'autres ici. Ici, on a une très belle ruine. Moi, j'adore ça, vous le savez. Et... mais je vois des Sims qui y sont, donc c'est sûrement quelque chose qui est accessible et visitable. Oh, on va pouvoir faire des très très belles photos, moi je vous le dis. Oh, le Lord and Lady, on va peut-être aller habiter là-bas, hein. Je pense qu'on ira habiter là-bas. Oui, 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 il y a des très grandes chances. Et ici, on a une espèce de crop circle, tout ça. J'ai l'impression qu'il y a une sculpture au tout milieu, là, on dirait un escargot. Nourrissez votre âme avec un magnifique lama à col arc-en-ciel et des lunettes étoiles. Lui, s'il a pas le swag, je sais pas comment. Et vos poulets, hein, n'oubliez pas de nourrir vos poulets avec ce magnifique monsieur coq avec bon, le petit costard, quoi. Enfin, il fait penser au personnage de Disney parce qu'il a un haut et pas de bas. Mais on voit derrière le petit panier qu'on a vu avec une très jolie plante et un nouveau fauteuil, ainsi que des fenêtres qui peuvent s'ouvrir en haut. Jouer avec la vie, ça c'est le truc habituel des Sims, avec une très très belle vache arc-en-ciel couleur fashion top et une vache beaucoup plus classique ici. Apparemment, si vous achetez avant le 2 septembre, vous allez débloquer des objets comme ce petit vélo magnifique, un gnome sur un poulet, pourquoi pas, et un magnifique arbre. Avec des lumières, une toute petite porte ici. Et voilà, c'est fini pour ce trailer en détail avec le petit speech blabla du teaser où bien sûr vous m'avez vu sautiller frénétiquement. Quelle horreur, j'ai très très honte de moi, je vais vous le dire direct. Hein. On se retrouve donc très vite pour découvrir cette nouvelle extension. Je vous rappelle que comme je fais partie du programme EA Game Changer, vous pouvez d'ores et déjà me follow un peu sur tous mes comptes Twitter, Insta, YouTube, Twitch, tout ça, puisque je vous ferai gagner un code pour cette extension dès qu'elle sortira. Donc je ferai un concours comme d'habitude. Et puis ben, dites-moi dans les commentaires si vous êtes très très hype pour cette add-on, pour cette extension. Et ben moi je le suis à fond et j'ai très très hâte de l'avoir. Et on oublie ceux qui râlent, de toute façon il y en a toujours qui sont pas contents. Bon, faut se contenter des choses positives dans la vie, donc on positive et surtout on met un like. Eh oui, c'est cette positif, on met un like. N'oubliez pas de partager cette vidéo ainsi que ma chaîne pour me soutenir. Des gros bisous, à très bientôt, ciao.